Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Sky Idol par Barbara Canepa et Alessandro Barbucci. Le premier tome de Sky Idol est sorti en France en 2000. Le quatrième tome est sorti en 2016. Celui-ci, c'est donc l'avant-dernier puisque 5 tomes sont prévus. Si vous avez été ado dans les années 90-2000, vous connaissez peut-être Canepa et Barbucci puisque ce sont les co-créateurs de Witch, édité par Disney. Sky Idol se déroule dans un monde futuriste où les voyages spatiaux sont assez communs et où les espèces extraterrestres cohabitent plus ou moins entre elles. Notre héroïne, c'est Noah, donc une Sky Idol. Qu'est-ce que c'est une Sky Idol? C'est une espèce de poupée humanoïde fabriquée pour aider les humains, officiellement, mais officieusement, plutôt utilisée à des fins sexuelles. Noah vit sur la planète Papatea, une planète gouvernée par une papesse du nom de Ludovic. Un jour, elle rencontre deux émissaires de la papesse qui s'appellent Roy et Jaou et elle décide de partir à l'aventure avec eux parce que clairement, dans son boulot actuel, elle se fait totalement exploiter. Canepa et Barbucci, en fait, ils ont réussi à créer un univers très complexe autour de Sky Idol. Ceux et celles qui ont lu Witch reconnaîtront en fait les points communs entre Méridian, donc le monde de Witch, et Papatea. Les personnages ressemblent beaucoup, l'univers aussi, mais il y a une grosse différence puisque Barbucci et Canepa ont quitté Witch et ont créé Sky Idol justement pour se lâcher et faire tout ce qu'ils avaient envie, puisque Witch c'était très policé comme c'était du Disney. Et ça se voit, il y a du sexe, de la violence, du sang, mais c'est jamais gratuit, c'est jamais utilisé à des fins juste commerciales, il y a toujours un but. Et puis ce qui est intéressant avec Sky Idol, c'est qu'en fait, ça parle de fanatisme religieux. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'adore les histoires qui parlent de fanatisme religieux, je trouve ça assez fascinant parce qu'en fait, ça reflète un peu les vices de notre société, combien on peut adorer quelque chose, au point d'en devenir violent et malsain. D'ailleurs, si vous aussi ce thème vous intéresse, je vous conseille carrément Aline Le Tanner, scénarisé par Lupano, qui est aussi très très bien. Et puis le trait est très cartoon, très innocent finalement, on sent vraiment leur passage chez Disney. Et ce qui est intéressant, c'est les couleurs, elles sont trop belles. On a vu Barbara Canepa en dédicace au Lyon BD Festival, et elle nous expliquait qu'elle passait 3 plombes sur de tout petits détails. En fait, elle zoome toutes les parties de la case pour vraiment travailler à fond sur chaque partie, et finalement ça fait des pages magnifiques et hyper travaillées de partout. Le quatrième tome est aussi sorti en version sans couleur, en version donc collector. Alors, moi je trouve que le livre, vu de l'extérieur, il est magnifique, mais je trouve aussi que c'est un peu une hérésie tant les couleurs de Sky Idol sont belles. Sky Idol, c'est pas juste une histoire fascinante portée par une héroïne attachante, c'est aussi une œuvre d'art où on sent que les artistes se sont fait plaisir. En clair, Sky Idol, c'est un délice pour le cerveau comme pour les yeux.